passer, je te le promets. Laisse-moi t'aider. D'accord? Waouh! Là, t'es vraiment coincée, n'est-ce pas? Oh, ça doit faire mal. Ne bouge pas! Doucement, ma belle, doucement. C'est ça. Je veux juste t'aider. Tout va bien se passer. Je te dois bien ça. Tu m'as sauvé des loups. Tu es tellement majestueuse. Je crois que je vais t'appeler... Majesté. Waouh! Où pouvons-nous bien être? Un terrain de jeu pour chiens! Waouh! Je me demande ce que c'est. Ouh! Ça tourne! Je dirais même que ça rafraîchit et que ça désaltère. Moi, je reste ici. C'est si doux et confortable. Ah, des boutons qui brillent. À quoi cela peut-il servir? Génial! Allons, mes petits chéris, je vous en prie. Tout ce vacarme me fait mal à la fourrure. Quel est donc cet endroit? Est-ce ici que tu habites? Comment t'appelles-tu? Je suis Archibald, troisième du nom, et ceci est ma demeure. Ravi de te rencontrer, Archie. Ah, pas Archie, ma petite meringue. C'est Archibald, troisième du nom. Je suis issu d'une grande lignée de champions nommés Archibald. Et en ce qui me concerne, j'ai remporté plusieurs premiers prix. Quel prix? Ah, qu'ils sont charmants. C'est drôlement grand pour un seul chien. Habites-tu ici tout seul? À présent, oui, et à mon grand regret. Mes frères de portée, Archibald, quatrième du nom, Archibald, cinquième du nom et Archibald, sixième du nom, se sont tous lancés dans l'aventure des concours canins. Ça fait beaucoup d'Archibald, dis donc. Comment fait-on pour l'ouvrir? On appuie sur un bouton, on résout une énigme. Oh, c'est une serrure. Stacy? Je peux t'emprunter ton collier? Il doit bien y avoir un lien. Quoi?
Skipper? Oui. Si seulement Papy avait pu voir ça. J'aurais presque aimé qu'elle soit en chocolat. Et qui pourra m'arrêter? Moi! En garde mon gros soutien à tes poils! Qui êtes-vous? Oh, Philippe, c'est vous. Je vous croyais dans votre château. J'ai fait demi-tour dès qu'on m'a averti de l'attaque. Mais dites-moi, où sommes-nous? Dans un passage secret aménagé pour votre protection. Venez, suivez-moi. Deux contre un. Ce n'est pas très équitable. Nouvelle victime de la mode. Je peux vous emprunter ça. La corde de mie est un peu basse. Oh, quelle horreur! Et sur mon plancher, nettoyez-moi tout ça. J'ai été un peu occupée. Oh, le passage secret! Qu'est-ce qui se passe, les filles? Oh, une minute. Ça y est, je crois que j'ai compris. Oui, c'est bon. J'ai trouvé un coucou, les filles. Oh, vole, Janessa, vole. Merci. Seconde. Violette, écoute, je te rappelle. Précieux, qu'est-ce que tu as fait? Qu'y a-t-il? Tiens,
Oh, regarde, papa et maman m'ont acheté de nouvelles poupées pour ma collection. Quoi? Oh! Ça suffit maintenant. Dehors. Excuse-moi, on parlait de quoi déjà? Ah oui, tu étais sur le point de me dire que tu étais jalouse de ma prairie d'intérieur. Attends, je t'envoie une photo. Ça va sûrement devenir à la mode très bientôt et tu pourras dire que c'est une idée de ta mère. Qu'est-ce que tu dis? Ouf, d'accord. Désolé d'être en retard. Oh non, je vous demande pardon. Ah, oh, ce n'est rien, tout va bien. Je suis désolé, c'est vraiment très embarrassant. Permettez. Merci, c'est gentil. Oh, désolé, je ne voulais pas être en retard. Ça ne fait rien, vous pouvez être partenaire et rejoindre la danse. À présent, messieurs, embrassez légèrement le dos de la main de la jeune fille. Et dansez. Mademoiselle, je suis Nicolas, un jeune damoiseau venu de l'Est. Faire votre connaissance est un véritable honneur. C'était assez poli, non? Absolument. Vous pouvez faire mieux? Mon nom est Blair, votre Altesse. Jeune damoiselle de Gardania, je suis honorée au-delà de toute expression de faire votre connaissance. Pas mal du tout. J'essaie. Okay.